like you ever felt. Are you listening? Damn. Yeah. Bonjour à tous, nous voilà ici pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vais vous présenter aujourd'hui la veilleuse de chez Xiaomi, donc de Mija et Xiaomi. Donc je viens de le recevoir ce matin. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ici vous avez un autocollant hein, pour le coller où vous voulez. Donc ça s'enlève, je ne vais pas l'enlever. Hop. Vous voyez, c'est simple. Donc ça se dévisse, j'ai mis des piles dedans, je l'ai reçu sans piles. Certains l'ont reçu avec des piles, mais ici bien sûr dans la description, il était marqué qu'il n'y avait pas de piles. C'était en vente flash, ils ont bien baissé les prix. Parce que ça c'était normalement, ça valait dans les 10 ou 12 euros. Et je l'ai eu pour 6 euros. J'en ai acheté d'autres, celui-là il vient de chez Gearbest. J'en ai acheté d'autres sur Banggood pour leur anniversaire. Ils avaient aussi une vente flash. Et là, je les ai eus dans les 5 euros. 5 euros. C'était prix imbattable. Maintenant, vous trouvez sur leur site à 9 euros. Ici aussi, sur Gearbest, sont à 9 euros. Ils s'alignent sur les prix. Donc, vous voyez, il y a deux modes. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, c'est très difficile à vous le montrer. Donc ça fait le focus. Bon, ce n'est pas grave. Je n'y arrive pas. Donc vous avez un petit soleil et un grand soleil, c'est pour la luminosité. Donc il faut trois piles, et vous avez ici hein, ça, c'est très facile. Hop. C'était très facile la première fois. Donc, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir un sens. Voilà. Donc, je vous montre parce que il y a un souci. Il y en a un peu plus gros que les autres. Vous regardez, il y en a un peu plus gros que les autres. Et je l'avais pas remarqué tout à l'heure. Donc, il y en a même deux plus gros que les autres. Il y en a un plus fin. Donc si vous regardez, il y en a celui-là est plus fin. Ceux-là, ils sont plus gros. Et on voit l'épaisseur. On voit l'épaisseur. Donc bien sûr, on prend le petit. Hop, on met là. Et vous voyez directement. Comme ça, vous le voyez avec moi. Si vous l'achetez, vous le recevez. Vous allez voir, c'est comme ça. Donc là, il est en fonctionnement. Là vous voyez pas la lumière s'éclairer tout simplement parce qu'il fonctionne que dans le noir. On va aller le tester, donc je reviens avec vous. Donc voilà, ici je me retrouve dans mon garage, l'endroit, j'ai été dans l'endroit le plus sombre. Donc vous voyez l'éclairage, à la caméra on voit que c'est blanc, mais c'est plutôt un éclairage jaune. Donc on va attendre qu'il s'éteint. Je ne sais pas s'il me détecte. Donc il s'allume et s'éteint que quand la pièce est sombre. Donc il a bien un détecteur de mouvement, j'ai bien testé. Il fonctionne très bien.
Donc j'avais fait pause à la caméra, je me suis éloigné. Vous voyez que maintenant il s'est éteint. Je pense qu'il est bien resté 30 secondes allumé. Maintenant, voyons s'il va s'allumer si je fais un mouvement. Bon, apparemment, il veut pas. Je connais pas le principe, mais même sur le côté, il y a des capteurs. Donc sur le côté, il y a des capteurs. Et là, il s'allume. Bon. Les capteurs fonctionnent très bien. Donc, je fais pause et on se revoit de retour de l'autre côté. Donc, nous revoilà ici. Vous voyez, elle est restée allumée. Elle va s'éteindre. Donc, vous voyez, elle est quand même, c'est quand même une lampe assez jolie. Donc, j'ai reçu un petit manuel. Donc, il n'y a pas d'anglais, c'est que du chinois. Donc là, il y a un peu les explications. Donc, comme il vous montre, il faut trois piles. J'ai reçu ça également avec. Donc ça, c'est pour l'accrocher. Donc il faut enlever l'autocollant ici derrière. Vous collez ça. Vous pouvez l'accrocher. Donc regardez, vous pouvez suivre le dessin. Vous avez le dessin ici pour coller correctement. Voilà. Donc là, il montre le détecteur. Hein. J'ai pas trop regardé le manuel. Ils disent comment dévisser, comment attacher le clips et l'angle. Donc l'angle, donc ça va jusqu'à 120 degrés, 2 à 3 mètres, 5 à 7 mètres. Donc en face, vous avez jusqu'à 3 mètres, donc elle vous détecte jusqu'à 3 mètres. Et sur le côté droit, apparemment, il a un angle un petit peu plus élevé de 5 à 7 mètres. Donc sur le passage du côté droit. D'après ce que je comprends. Donc la lampe, ici on voit que c'est du 0,25 watts, donc c'est même pas du 1 watt, donc ça consomme ridiculement, c'est ridiculement faible. Je pense que les piles peuvent durer quand même, allez, beaucoup plus de 6 mois, s'il y a des passages fréquents. Donc il me indique même le poids. Je sais pas si vous voyez. Non, il fait pas le focus. Bon, il est indiqué 141 grammes. Les lampes font 0,7 lumens. Et en minimum 0,7 lumens et au maximum 3,8 lumens. Je fais le tour un peu de la boîte. Donc vous avez deux logos, hein, Xiaomi et MIGIA. Donc sur le dessus de la boîte, vous avez le dessin, donc à l'identique de la lampe. Et c'est tout. Vous voyez, quand il fait jour, il n'y a pas d'éclairage du tout, hein. Je ne sais pas que je l'ai éteinte. C'est qu'elle ne fonctionne pas, elle fonctionne que la nuit. Donc ça économise fortement les batteries. Parce que certaines lampes qui vendent, bien sûr, sont moins chères, mais s'allument tout le temps dès que vous passez. Donc il y a un détecteur de passage, mais il ne tient pas compte s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc bien sûr, si je fais ça, donc en fait, à l'installation, quand j'ai installé les piles, elle s'allume et après elle va s'éteindre, bien sûr. Voilà. N'oubliez pas, il y a un plus petit côté. Comme ça, vous pouvez insérer directement. Ça tombe pile, comme vous voyez ici. Vous n'avez qu'à faire un tout petit tour. Hop.
Verrouiller, déverrouiller, hop. Voilà pour l'installation. Je vous laisse là. Oups. Je vous laisse là-dessus. Bon, même moi je me trompe, donc on le refait. Hop, voilà. Ça tombera plus. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée.